J'ai eu aucun signe d'agressivité pendant 17 ans. Il y a des choses qui sont flagrantes. Je cherche à me réadapter. J'ai un très bon comportement depuis le début. On n'a rien à me reprocher depuis 17 ans. Je disais à la partie adverse qu'il parlait soi-disant que j'avais une impulsivité. Je lui ai raconté qu'en 17 ans, je n'ai jamais eu de violence. Donc, c'est les mêmes théories qu'il a sur les consommations de cannabis. J'ai 38 ans maintenant. Je rappelle que je me suis fait enfermer à 21 ans suite à. Tout le monde est au courant, je pense. Donc, depuis, je lui ai dit en ces termes, je suis quelqu'un de repenti. J'ai 38 ans, j'ai mûri, j'ai pas stagné au sein de l'hôpital. J'ai travaillé beaucoup avec les médecins, les infirmiers, le personnel soignant. Il y a toujours une bonne entente. J'ai toujours respecté qui que ce soit, même les patients. Les patients me connaissent très bien. Je suis quelqu'un de sympa. Donc, je pense qu'il y a des patients qui ont fait des passages à l'acte aussi, pas les mêmes, mais similaires, on va dire. Ils n'ont eu aucun problème pour sortir. Donc, j'ai insisté auprès de la préfecture LRS. Pourquoi ils s'acharnent sur moi, Romain Dupuis? Quelle est la raison? Ils auraient pu me répondre, j'attendais une réponse, mais ils ne m'en ont pas donné, comme quoi c'était médiatisé. Mais c'est un cercle vicieux en fait. J'ai été médiatisé, pourquoi? Soit parce que c'était la mauvaise période, ou soit parce que Sarkozy, excusez-moi du terme, a profité de la faille pour insister là-dessus. Et je pense que cet acharnement ne m'a pas donné la réponse. Mais c'est Monsieur Sarkozy à l'époque a dit que j'ai resté toute ma vie en psychiatrie, c'est une parole de président de la République. Et je pense qu'ils insistent beaucoup dans l'ombre par rapport à cette parole. L'UMD, ce sont des conditions très difficiles. L'UMD est assez dur, c'est du soin très très intensif. Là, je suis sur un secteur, ça s'appelle l'USIP. C'est le seul endroit en France qui se trouve, la structure de l'USIP, c'est l'unité de soins intensifs psychiatriques. C'est la seule en France où elle se trouve au sein de l'UMD. Ça se passe super bien là-bas, le personnel, ce sont des crèmes, il n'y a aucun problème de comportement. Depuis 6 jours, j'y suis arrivé depuis vendredi dernier. Vous aimeriez avoir plus de liberté, si ça peut être pas retrouver la liberté Pas de totalement. suite, je me rends compte que c'est vraiment impossible vu les blocus. Ce que je demande, c'est d'avoir les mêmes droits que n'importe quel patient, ce que je réclame depuis très longtemps. Déjà, lors de mon instruction en 2008, j'ai bénéficié d'une irresponsabilité pénale. La préfecture m'a imposé une escorte de gendarmes armés jusqu'en 2013. J'avais pas les mêmes droits que tous les autres patients. Et ça continue encore. Des patients sortent sans problème avec des passages à la grave. Et moi, je sers de bouc émissaire, il n'y a pas d'autre mot. J'aimerais bien une chance et que la justice ou les autorités acceptent mes efforts et qui conviennent bien qu'il n'y a pas de problème.